Salut à tous. Aujourd'hui, changement de concept. Je suis toujours en train de bosser sur le docu-review sur Walking with Beast, mais le changement, ça fait du bien, c'est donc pour ça que je vous propose aujourd'hui un concept différent. Je me lance dans les fiches de Nigel. Si je devais résumer le but de ces vidéos en une seule phrase, ce serait une présentation d'un animal présent dans les Walking with, dont je ferai le parallèle entre la représentation du docu et les connaissances actuelles. Comme d'habitude, pas de rythme de sortie, c'est en fonction de mon temps et de mon humeur. Pour ce qui est autres animaux, nouvelles découvertes, descriptions de fossiles, etc. Eh bien, visitez le Paléotube, vous y trouverez forcément votre bonheur. Ces vidéos seront beaucoup plus faciles à faire, car elles seront beaucoup moins longues, donc moins de montage, sachant que c'est la partie qui m'ennuie le plus dans la création de vidéos. J'aime bien les rubriques, du coup on va découper ce concept, en tout cas pour l'instant, en plusieurs parties. Milieu de vie, époque et écologie, comportement et représentation. Ce premier épisode sera donc sur le Postosuchus. En même temps, vous l'avez vu dans le titre, sur la miniature et dans l'intro. Bref, j'espère que vous aimerez cet épisode pilote et j'attends vos retours avec impatience. Sur ce, on commence. Dans la série, le Postosuchus est montré évoluant dans un environnement aride, là où est aujourd'hui le site de Ghost Ranch au Texas, il y a 220 millions d'années. Cet environnement est sujet à des sécheresses sévères, mettant à mal la capacité de survie de notre Roizukien. Il est le super prédateur de son écosystème et le plus grand carnivore de la Terre. Étant au sommet de la chaîne alimentaire, il peut se permettre de chasser des proies imposantes, comme Placerias, sa proie favorite. Cependant, un coélophysis fait parfaitement l'affaire. Pour ce qui est de la représentation actuelle, le contexte reste à peu près le même. Postosuchus a vécu au Norien, entre environ 227 et 208 millions d'années. Il était en effet le super prédateur de son écosystème, mais pas au point d'être le plus grand prédateur de la Terre. En effet, un autre Roizucoïdé, Phasolasuchus, qui aurait apparemment pu vivre en même temps que lui, aura mesuré entre 8 et 10 mètres, ce qui nous fait un beau bestiau. Il est avéré que le climat de l'époque était de continental à plutôt chaud dans l'ensemble, avec des déserts par-ci par-là. Les proies potentielles de Postosuchus étaient nombreuses, telles que des aétosaures, des cynodontes et des dicynodontes, et peut-être des amphibiens. Il cohabitait avec une autre espèce de Roizukien, Chuvosaurus. Dans la série, le Postosuchus est montré comme un chasseur solitaire. Il défend âprement son territoire et est très agressif envers ses concurrents, comme par exemple d'autres Postosuchus. Capable de chasser d'autres Postosuchus afin de prendre leur territoire, il contrôle un très grand terrain afin de chasser et boire. La taille du territoire est d'autant plus importante que la sécheresse est grande. Il doit donc continuellement l'arpenter afin de dégager les éventuels intrus. Du côté des infos récentes, il est toujours peu risqué d'avancer le fait que Postosuchus était solitaire et défendait un territoire qui lui permettait de subsister. On sait qu'il était doté d'un organe voméronasal, qui est un organe qui permet de sentir des substances indétectables par l'odorat classique. Il est plus connu sous un autre nom, l'organe de Jacobson. On peut donc avancer le fait que l'odorat de Postosuchus était très développé. Passons à la dernière rubrique. Dans la série, le Postosuchus est représenté comme un Roizukien doté d'épaisses écailles avec un crâne massif fait pour déchiqueter de la viande. Il est rouge avec des teintes plus pâles, couleur qui a probablement été créée afin de lui conférer un camouflage dans l'environnement du premier épisode. Il se tient sur ses quatre pattes et est un animal plutôt lent, en tout cas on ne le voit jamais courir. Son dos est cuirassé grâce à d'épaisses écailles. Il possède une suite d'ostéodermes qui traversent de son dos au bout de sa queue, et il est représenté possédant de longues griffes aux pattes avant et arrière, qui étaient utiles autant pour l'attaque que pour la défense. La représentation de la série est toujours plutôt valide, même si quelques petites choses seraient à corriger. Premièrement, il semblerait que le Postosuchus n'ait pas été entièrement quadrupède, mais plutôt à moitié sur ses deux pattes postérieures et à moitié sur ses quatre pattes. Ses pattes placées sous son corps lui permettaient de se déplacer rapidement, même si ses pieds étaient plats. Et le fait de se dresser sur ses pattes arrière lui permettait de courir rapidement, mais probablement pas sur de très longues distances. Il est en effet avéré que le Postosuchus possédait des scutelles et des ostéodermes qui lui conféraient une protection bienvenue afin de se propulser en Big Boss de la faune triassique. Voilà, l'épisode 0 des fiches de Nigel est terminé. C'est sûr, c'est plus court, mais j'ai toujours aimé les présentations de bestioles préhistoriques, alors pourquoi pas la faire à ma sauce. On se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.